Baron Nord, je vais quelque part. Marie-Laure, depuis le matin jusqu'à là. Elle remporte haut les mains l'édition 2018 du tournoi de football inter-ambassade et institutions internationales. L'équipe de la BCAO domine logiquement en finale la SECNA sur le score de 2-0. Le tournoi inter-ambassade, institutions et organisations internationales, c'est un mélange de joueuses et joueurs au sein d'une même équipe. On aura une longue touche, à venir. La cérémonie de remise de trophée s'est déroulée dans un hôtel de la place. Là, administrateurs, administrés du corps diplomatique se retrouvent dans une ambiance festive pour célébrer la soirée des champions. La BCAO brandit le géant trophée à sa grande satisfaction. De l'autre côté, le capitaine de la SECNA se réjouit du parcours de son équipe. La joie qui nous anime, ce n'est pas seulement limitée à cette coupe. Nous avons appris. Ce qui a fait la différence, c'est l'expérience d'avoir participé plusieurs fois à cette compétition. Nous avons fait beaucoup d'entraînement, nous avons étudié les autres jeux. Mais nous autres, nous sommes heureux parce que nous avons atteint nos objectifs. Et ça, je dois spécialement à tout le staff d'organisation. C'est vraiment une manière de renforcer les liens entre les différents acteurs de la communauté internationale. Et c'est un grand plaisir de pouvoir s'engager dans un événement qui, effectivement, mais les différentes personnes dans un cadre complètement différent de ceux des salles de conférence, des réunions dont on a l'habitude. Donc ça permet de mieux se connaître. La soirée de folie offerte par la coopération suisse s'est achevée sur des distinctions individuelles décernées aux joueuses et joueurs les plus méritants.